Lundi 18 mars 2024, mesdames, messieurs, gros bonjour, gros bonsoir pour nous tous. Bienvenue dans notre journal spécial. C'est là, journal nous présenté en collaboration avec VOA Creole depuis Washington DC. Actualité au concernant pays d'Haïti, avouez nous tout droit aux États-Unis. Côté, dans le moment où on a parlé, il y a une grosse rencontre qu'a faite dans les Nations Unies sous situation crise. Pays d'Haïti a fait face depuis un bon bout de temps. Eh bien, l'idée pour y être capable et connaître qui ça y a fait avec pays d'Haïti depuis après Premier ministre Ariel Henry annoncé l'a démissionné, gagné là CARICOM qui te mettait comme facilitateur pour t'ajouter une solution avec crise qu'a traversé pays à côté. Il proposé un conseil présidentiel qui gagnait 7 membres là-dedans. Eh bien, dans l'idée pour qu'on ait dans qui point, eh bien, et conseil transition ça lui-même lié gagné mesdames et messieurs et CARICOM qui joint invitation Nations Unies pour que l'a participé dans États-Unis pour qu'on ait dans qui point avancement conseil présidentiel là lui-même lié et dossier et qui pral touché dans et cadre rencontre secrète ça qu'a fait aux États-Unis dans Nations Unies précisément pral gagner dossier déploiement force multinationale là qui pral obligé manier tout côté gagner là vraiment et pays Kenya qui dit que li paraît pour que li vini dans pays d'Haïti mais à condition gagné un gouvernement qui établi dans pays jodia dans Nations Unies rencontre ça pral vraiment vraiment intéressé haïtien et après pral gagné un communiqué qui pral dit qui ça qui doit faire dans jour nous pral gagné pour nous présenter en direct depuis Washington qui j'en ça a passé avec VOA Creole mais entre-temps dans commune Pétionville situation compliquée après moun te fin le ve matin yo joine environ 24 moun perdu la vie dans commune si la côté en pile moun t'a pral gen gros kè cassé avec vague violence ça qui eh bien répété dans commune nan en pile moun qualifié canage massacre côté yon quantité moun perdu la vie mesdames et messieurs et depuis hier soir donc situation qui vraiment compliquée nous pral vinn fort tande comment ça t'a passé dans Pétionville mais dans la boule tout matin dans cadre eh bien et série attaque violence gagné bandi armé qui décidé attaquer la boule côté yon quantité et centre commercial arrivé piller yon quantité moun tout couri quitter la caillou à cause invasion ti monsieur armé yo qui regroupé tête yo en bas vivent ensemble dernier temps ça yo qui pas suspendre simé la troublay dans pays et d'Haïti si la boule li même depuis un bon bout de temps té râlé un souffle après yo té fin démanteler gang et ti makakla eh bien jodi a la moun la boule moun Thomasin konnen un mauvais moment pendant la police t'a essayé garder s'il capable riposter nan kad attaque si la yo mesdames et messieurs yon situation ki bay en pile kè kase nan e commune Pétionville précisément nan e la boule en pile moun a posé tête yo question ki avenir e zone sa yo après e divers l'autre coin nan capitale la nan zone métropolitaine en général t'a pral konnen mauvais moment sa yo mais cette fois-ci c'est moun Pétionville et kap konnen situation ça donc qui bay en pile kè kase une situation n'a suivre avec en pile intérêt pour l'autre point dans actualité avant nous aller aux États-Unis faut que nous di ou gagne la République Dominicaine là qui servi et pont pour que gagne aide qui rentre dans pays d'Haïti ça nous relé couloir humanitaire et bien pral gagne yon série aide alimentaire qui pral rive dans pays d'Haïti à cause ça qui gagne dans pays d'Haïti là aéroport pas ouvri c'est la République Dominicaine qui pral faciliter Nations Unies pour rentrer avec bagay sa yo dans pays d'Haïti kou nou a n'ap rentré dans pays États-Unis côté VOA Creole pral gagne pour présenter nous yon idée de ça qui a passé à Washington sous situation pays d'Haïti n'ap invite ou suivre avec nous avec Valerio Saint-Louis depuis Washington. C'est dans pays d'Haïti, carnage dans Pétionville, environ 20 moun t'a perdu la vie, semble gros panique qui t'a gagné dans la boule Thomasin avec Negame qui continue à simuler la terre jeudi lundi 18 mars 2024 là.
États-Unis élection, président démocrate Joe Biden ak ancien président républicain Donald Trump te en campagne avec polémique côté yon ap choute sou lot. Et puis dans pays la Russie, président Vladimir Poutine remporte haut la main élection présidentielle yo. Réaction dépamment sorti à travers le monde. C'est pour ça yo, avec l'autre encore nous pral développer pour dans rendez-vous info, jodi a c'est lundi 18 mars 2024, nous comptons entrer la KO. Situation était très compliquée, en capital tendu avec un pile et zak violence et dans moment n'a parlé là gain Conseil sécurité Nations Unies cap réuni sous cas Haïti. Nous pral rejoindre Valério Saint-Louis depuis New York. Valério. En effet, Jacqueline, jeudi à lundi 18 mars, Conseil sécurité des Nations Unies a supposé réuni dans une réunion en privé sous cas pays d'Haïti. Une réunion qui peut débattre sous situation très difficile que pays d'Haïti a traversé. Nous t'ai rencontré avec Rose Joseph, n'a pas rappelé qui c'est candidat pour le Sénat dans l'État Floride. Il dit nous que les Nations Unies, d'ailleurs, il prend la parole dans réunion, pas forcément Conseil sécurité, mais dans l'autre réunion de les Nations Unies, et il a participé tout, d'après ça, il dit nous, dans réunion Conseil sécurité, ça qu'il pour le faire sous Haïti. Rose Joseph, t'es dans le micro VOA. Nous, les Nations Unies, sous invitation, 1 million en women organization. Côté tout le monde, parce que dans 192 pays, a vint parler, et puis quand l'Assemblée a fait plus tard à 3h à 6h, et puis il y a plusieurs workshops qui couvrent prostitution, child abuse, human trafficking, abuse conjugal, tout bagage à yo. Et nous, en même temps, tout nous, parler de circonstances qui créaient dans le pays, dans tout pays dans le monde, côté que côté insécurité, les conduits misère, qui cause moi-même venir parler là, non, non, comme un activiste, pas un candidat, mais comme un activiste qui vient parler pour nous, pour côté nous café plus comme humain, pour nous défendre. Et puis en même temps, on est même côté même pas parler de Haïti, n'a touché dossier Haïti. Demain, nous avons une conférence de presse en après temps de résolution qui gagne aujourd'hui là que m'a bien pour me participer là dans pour mon observateur en pita parce que m'a gagne crédential en gouvernement et Sénégal là pour que moi-même m'a un observateur dans Conseil sécurité qui parle rencontrer aujourd'hui là. Sous dossier Haïti justement, où Joseph va participer dans réunion ça en privé que Conseil sécurité a fait sous dossier Haïti. Est-ce qu'on gagne déjà une idée qui ça qu'a discuté dans réunion ça, qui ça qui pourrait sortir pour Haïti? Bonne Nations Unies, liste rencontre qu'on va faire là c'est pour yo ka ça nous relait dommage contrôle là. Il y a besoin et il y a travail sous dossier et en préparation pour une humanité, une mission humanitaire. C'est ça qui est sous table là pour que j'ai une résolution côté qui a ouvert un corridor pour que vous puissiez aide humanitaire. Ça veut dire c'est ça que moi-même moi apprendre hier soir dans sac de pour discuter. Mais dossier qui est comme n'a pas même une discussion qui gagne en sous table jeudi là. Voilà, Rod Joseph qui a participé dans des réunions en dedans quartier général des Nations Unies dans le moment qu'il n'a pas parlé là, il promet nous, après réunion Conseil de sécurité et Nations Unies à sous cas pays d'Haïti en privé, il a participé dans la réunion ça. Donc il fait nous connaître Jacqueline que la banou est contre-rendu, ça qui sortit dans la réunion ça. Jacqueline? Merci Valério. Donc Valério sous place dans New York, dans les Nations Unies, pour suivre pour nous sa cap fête dans la réunion ça. Il y a une réunion qui a fait à huis clos, donc à toute porte fermée, et c'est sous question Haïtia na vini avec l'autre détail encore demain dans l'autre programme ou bien suivre toute plateforme nous pour capable gain dernière information qui a sorti dans Nations Unies. Nous pral dans pays d'Haïti côté d'après nouvelle yo gain ça ou ta rele yon carnage dans Pétionville côté que plus passé 20 moun qui t'a perdu la vie. Nous pral rejoindre correspondant dans Port-au-Prince Machado Vilme. D'après un citoyen qui identifie tête li comme un responsable dans commune nan, fait qu'on a 24 moun qui perdit la vie dans canage si là. Non pas monsieur Boulou Djoguez, alors monsieur coordonnateur général mairie de Pétionville. Il y a 24 morts au niveau de commune de Pétionville. Bon cimetière gagne 8, bon là gagne 14. Bon et c'est Jean Bosco descend en bas, il y a plusieurs autres monde. Il y a un pile cadavre qui est enlevé. Alex qui était Pétionville depuis 15 jours, nous t'ai parlé avec tout le monde, nous t'ai dit tout le monde faut qu'il prie là. Au niveau des communes, parce qu'il y a l'alerte qui va sur les communes. Qui ça l'alerte là? L'alerte là qui s'allie, c'est passé à passer pour faire massacre. Parce que c'est le Pétionville qui a fonctionné, parce que l'autre commune encore a fonctionné. Pour yon l'autre qui dit le témoin ou qu'il est événement, fait qu'on est ce monde qui habille avec bout de pantalon, maillot blanc, qui fait massacre ça. Pendant 11h du soir, je suis là, je suis là. Je suis là, je suis là. C'est le même moment, je suis là, je suis là, je suis là. Mais pendant ma brite, je suis là, comme dans le coin là. Je regarde moi un paquet de nègres.
un zam à la main. Même si nous avons 9 mm seulement qui étaient dans mes négo. Les gars ont 100 dollars dans le pied. Ils ont un bout de pantalon et puis maillot. Les gars ont commencé à prendre, commencé à ouvrir coup de balle sur les gars. Ils ont couru dehors, ils ont ouvert coup de balle. Après, ils ont fait une action, ils ont monté la machine, ils ont allé. Ils ont été sur un zoo avec un blanc. Les gars qui sont morts là, c'est la machine qui est chargée. Il y a deux nègres qui mourent encore là, c'est bleu qu'on vend. Après ça, il y a deux petits qui mourent, c'est mandé qu'on demande, c'est machine qu'on suit. Après, les nègres qui sont dans la table, même qui mourent là, monsieur, c'est bon colonne, nous travaillons en chinois ensemble. Monsieur, c'est fait sac sandales, machin, nous venons acheter, nous faisons sac sandales, nous protégeons maintenant une station pour machin, c'est le job ça nous fait. Nous devons dire, effectivement, cela n'a pas été sans conséquence sur l'activité dans la commune. Côté porte banque commerciale, porte l'école, gros acte business obligé rete fermé. Nous devons signaler tout, l'homme 9 moun yo en bas pompe nationale la mette de l'eau dans en pile moun qui identifie victime sa yo. Comme moun kap charge machine, machin de l'eau, machin clairin, machin pain, qui gen plusieurs années à mener activité sa yo dans Pétionville. Depuis Port-au-Prince, moi c'est Massa Dovinme pour VOA Créole. Merci, Marcel Dovinme, d'avoir été toujours dans Port-au-Prince, toujours avec l'intérêt que gang armé a fait dans le pays et avec une situation qui est tendue dans la capitale. Là, nous voyons le jeune Yves Manuel, depuis Port-au-Prince. Violence continue à grandir dans le Port-au-Prince avec affrontement entre police et gang armé, ce qui entraîne évacuation diplomate et ressortissant gouvernement pays étranger en raison de chaos dans le pays d'Haïti. Police nationale mené yon opération 15 mars qui s'est passé là dans Badelma fief Jimmy Cherizier alias Barbecue. Intervention te visé débloquer axe routier malfrat te barré depuis plusieurs jours. Agent Simo renforcé ak Mam Boyd ak SWAT utilisé engin loup pour dégager route là. Yon bilan sur opération ça a bien pour communiquer prochainement selon la police. Il y a divers actes vandalisme qui rapportent tout dans Badelma à Clasaline tant coup pillage yon concessionnaire automobile à conteneur dans Port Caribbean Port Service SA institution l'état yo tant coup faculté sciences et électricité d'Haïti yo même tout yo victime de insécurité pendant temps ça gouvernement dominicain évacué 27 ressortissants qui t'a vivre dans pays d'Haïti moun sa yo mandé pour quitter pays en raison violence et insécurité. Situation toujours été tendue dans Port-au-Prince. Journée lundi, un grand bonnet dans matin, il y a 10 cadavres, principalement jeunes garçons entre 18 et 25 ans, qui découvrit dans la rue panaméricaine Pétionville. Il y a un trouble qui découvrit dans Koyo. Cependant, circonstances flambées ont toujours été pas claires. Kosayo tap ben dans sang yo, grand bonnet dans matin, dans Pétionville. Moi, c'est Yves Manuel, depuis Port-au-Prince, pour VOA Créole. Merci Yves Manuel. Nous prenons le département nord pour nous parler de évacuation. Gagné plus qu'une quarantaine de ressortissants américains qui quittaient pays à bord d'un avion américain. Nous allons rejoindre correspondant nous Gérard Maxino. Un groupe 47 ressortissants américains quittaient pays dimanche 17 mars 2024 à bord d'un avion que le gouvernement américain a loué pour venir chercher au dans l'aéroport international au Cap-Blanc. Yon ressortissant américain yo, Lovely Pierre expliqué VOA Creole, c'est grâce à yon email li te recevra qui informe l de voyage si la. Moi, j'ai un email que yo di, moi, pense que tout moun qui gagne un passeport américain pouwe transporter yon dans l'aéroport la matin en bonheur, pour yon la. Moi, j'ai dit, qui ça, comment ça se passe, pour yon dit, c'est ça, ou mandé. Et nous, tout moun matin, c'est placé par été. Et nous n'avons pas de la avant 10h30. C'est ça que moi-même, m'obligé, côté de m'obligé pour une machine, nous n'avons pas de la. Madame Pierre fait qu'on est l'obligé de quitter le pays, même quand, côté le pays, il n'y a pas de sentir vraiment qu'il y a un problème de sécurité. Pour le cas, moi-même, très bien. Pour le côté de moi, je n'ai pas de problème de sécurité. À qui sentiment qu'il y a ici? Ah, ma crie, parce que je voulais aller, non? Parce que je voulais rester. Je voulais aller, non? Tout le monde est obligé de déplacer. C'est ça que je voulais une obligation pour me déplacer. C'est pas tout ressortissant américain qui a eu une chance de profiter des voyages. Un américain qui fait en Haïti, Antoine Cadet, qui a 61 ans, te montré journaliste, passeport américain, li, et il te fait connaître, li malade, faut qu'il prenne soin aux États-Unis d'Amérique. Ah, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Oui, et quand
Avion qui te pote ressorti sa américain ou te quitté au cap vers midi 30 comme ça et te atterri dans l'aéroport Miami à 10h33. Moun te capable remarquer yon équipe citoyen américain qui te gen zam ak jilet pa bal sou yo dans l'aéroport au Caplan qui tap fait arrangement pour voyage si là. Gérard Maxino Cap-Haïtien pour la Voix d'Amérique. On dit que pillage, évacuation, violence qui gagne dans le pays d'Haïti gagne un impact sur l'économie. Nous allons rejoindre Pierre-Renel René qui lui-même t'a parlé avec un économiste. C'est un pillage qui n'a pas campé dans une zone bandit envahie. Il n'a pas presque gagné des pots mangés qui étaient encore après avoir cassé plusieurs containers qui étaient placés dans APN. Pendant ça, il y a une plus difficile pour produire manger ou traverser pour arriver dans la capitale, la Port-au-Prince, bandit contrôlé jusqu'à présent. Si ça arrêtait comme ça, économiste Thomas Lalim prévoit. Il y a un raté de biens, de marchandises dans le pays. On doit arriver dans une situation où on a comme dans le monde, où on a besoin d'acheter même produit pour manger ou pas qu'à joindre. Si un vague de pillage ça y a, autorité n'a pas fait un gens pour y avoir. Pour y suspendre. Plus temps que ça a duré, c'est plus conséquences graves. Et là, ça a conséquences pas pour y seulement un jour qui a venu, mais c'est bien probablement des conséquences qui peuvent être permanentes, dans le sens que on peut continuer à observer les conséquences ça sur le prix, donc sur l'inflation, dans le mois, dans l'année qui a venu, et même sur la question niveau de pauvreté. De passage dans Floride, économiste qui t'a parlé avec Véra Creole présenté un tableau sombre sur la situation qui a passé en Haïti. Pays qui déjà rentré dans sa salle une crise humanitaire. On était déjà dans une situation de crise humanitaire pour, avec importance et ampleur question de gang qui a pris. Mais dans le dernier jour, ça a pris des proportions. Peut-être que bon, moi-même personnellement, je n'ai pas imaginé que. Deux plus gros prisons dans le pays ont été décrites comme ça, vidées avec tout délinquant qui dans la rue. C'est peut-être faut attendre à ce que peut-être que l'insécurité après encore dans une dimension qui est beaucoup plus alarmante. Et puis, donc, vous parlez dans une situation que c'est seconde l'autre phase après la crise humanitaire, là, c'est vers ça nous parler d'après moi-même. Plus passé 362 000 déplacés depuis violence gang ont déclaré sous pays. Hein. Parmi chiffres, ça, 35 000 pour année 2024, là seulement, selon le Programme Alimentaire Mondial, PAM, qui souterrain. Hein. À cause routier qui toujours été bloqué dans la région métropolitaine, hein, organisme Nations Unies a souhaité joindre moyen pour atteindre déplacés. Yo. En pile là, yo al réfugié soit dans l'église, l'école, à l'autre bâtiment public yo. Ça pas gen longtemps, association pharmacien d'Haïti yo lancé un cri d'alarme devant raté médicament yo constaté dans l'hôpital yo. Yon série appel qui rejoint constat ak prévision Thomas Lalim yo qui décrit d'ailleurs yon situation économique catastrophique. Dernière violence gang yo venant vlimè. Moi c'est Pierre-Renel René depuis Fort Lauderdale pour VOA Créole. Et puis l'autre point dans l'actualité, c'est la République dominicaine. Dans un premier temps, il a parlé d'un pont humanitaire qui t'a dû établir entre République dominicaine avec Haïti. Un officiel dominicain t'a questionné et projet ça. Et c'est comme ça tout envoyé spécial non Jean-Robert Philippe qui allait pour loin avec deux grands yeux ça qui a passé. Il s'est yeux et VO à Créole. Et lui-même, il t'a rencontré avec un pasteur qui relait le Troine le Pierre, qui lui-même son pasteur dans Wanamet et qui a parlé tout, non seulement de déportation qu'a fait, mais tout de projet que qu'on a CARICOM fait pour dire qu'il a mis sous pied un collège présidentiel de transition. Et pasteur Letoine Pierre. Bon, c'est un transfert et je suis capable d'entrer et chercher la bonne.
Mais quand même, Jean Bagayo dit là, il va pas quitter aucun monde passé. Okay. Ça peut mettre côté que vraiment m'obliger à camper, je ne suis pas capable de traverser. Qui joue là, il va ici, là? Qui a activité dans Waname? Bon, activité, il y a plus ou moins. Il y a plus ou moins parce que et pas de l'école pendant quelques semaines. Normalement, ça, l'école a fonctionné normalement. Qui veut dire que tout le bagage a commencé à reprendre. Ok. Mais qui ont fait ça parce que de crise là, qu'on a situation pays d'Haïti. Bon, crise là, il dérangeait tout le monde. Vous comprenez? Crise là, lui-même, il dérangeait tout le monde. Et à cause des portes presque qui pas tellement normal, ça peut mettre tout le département eux-mêmes, ils ont touché. Ils ont touché des crises là. Et qu'on y a là, Haïti n'a pas de gouvernement. Haïti n'a pas de aucun gouvernement. Haïti n'a pas de président, n'a pas de ministre, n'a pas de sénateur, n'a pas de député. Pas de rien qui est capable de prendre défense peuple là. Comment c'est le gouvernement ou bien encore le conseil présidentiel là? Bon, conseil présidentiel là, moi je suis capable de dire des conseils présidentiels là. Il y a un seul bagaille, n'a pas dit américain. Quitte Haïti yo choisi pour tête yo. Quitte Haïti yo choisi pour tête yo. Leader que yo même yo vle a, quitte yo pon. Si c'est l'autre Haïtien, si c'est l'autre moun, ou a choisi comme conseil présidentiel, Haïti a toujours été dans crise. Vous comprenez? Ça fait peuple là, pas jamais, yo pas jamais ka rentrer la kayo, parce que yo poko ba yo moun que yo vle a. Eh bien, essayez, bay, peuple là moun kèl vle a et puis pour voir comment tout bagaille mais nous pas ta remet côté que vraiment pour américain ou bien corps groupe a décidé pour peuple haïtien. Pasteur Letoine Pierre te répond question envoyé spécial nous en République dominicaine Jean-Robert Philippe. En 2024, année électorale ici aux États-Unis, eh ben gain en pile chance pour que gagne yon lot face à face entre président des démocrates Joe Biden ak ancien président républicain Donald Trump et tous les deux t en campagne et yon voye Troya sous lot Serge Rodriguez. Président sortant Joe Biden ak ancien leader républicain Donald Trump joue une nomination Parti démocrate ak Parti républicain pour tout que cognon yon l'autre fois encore dans l'élection générale 5 novembre 2024 ka vin la. Nous devons préciser son événement qui pas fait ici aux États-Unis depuis environ 70 ans. C'est dans ça, M. Biden te visite mercredi passé Wisconsin, yon état moun considéré comme un champ de bataille élection présidentielle à Nessa, yon élection garçon pas campé. Président sortant pas de perdre du temps pour annoncer yon investissement plusieurs milliards de dollars, administration liya dans 132 projets dans 42 États américains, une façon pour corriger l'erreur historique qu'on a commis dans le pays. Je trouve mes sites là pour annoncer un investissement de 3 milliards 300 millions de dollars et c'est le premier investissement dans ce sens qui pourra financer 132 projets dans 42 États américains qui ont un rapport à la création de jobs dans diverses communautés. Pendant locataire mise en place dans la ville Milwaukee, État Wisconsin, il a fait promotion pour sa administration liée à accompli parmi les législations sur projet infrastructure à réduction inflation dans un moment de critiquer politique économique rivale. Donald Trump. My predecessor moyen abordé semaine infrastructure pendant 4 ans. Il n'est pas arrivé faire aucun là-dedans, pas même un seul grain là-dedans. This one got us over the top. Dans une vidéo, ancien président républicain Donald Trump posté sur les médias sociaux, il dit qu'il considérait Joe Biden comme le plus mauvais leader des États-Unis jamais gagné. Et il déclarait que la nation américaine a fait Bekate Kounia. Nous pourrons changer tout ça parce que nous pourrons faire forage pétrole et puis nous pourrons fermer les frontières noires. Nous pourrons faire quelques bagages qui ne sont pas jamais avant ça. Nous pourrons faire l'économie pays à tourner la plus bonne économie qui existait sur la planète. Pour ça que concerne l'électeur américain, il n'a pas fini d'appuyer trop l'idée pour un nouveau duel entre le président Joe Biden et le rival Donald Trump. Bout pour bout, une quantité à accusation criminelle qui a pesé sous dos ancien président républicain, capable de déboucher sur échec libre au côté électeur dans la banlieue Axilayo qui possédait un diplôme université. Une catégorie électeur, M. Trump, était toujours en difficulté pour l'attirer. Sous vos paroles, le président Joe Biden a fait face à la perception comme quoi l'État trop grand monde pour un deuxième mandat. Une notion alliée, M. Biden, a voulu jeter à cause du discours flamme du feu président sortant et prononcé sous État-nation dans la date 7 mars passée. Serge Rodriguez, VOA Creole, Washington.
Et puis toujours dans l'actualité électorale dans le pays la Russie, président Vladimir Poutine remporté haut la main et présidentiel, mais il y a réaction dépamment qui sortit à travers le monde. Sandra Lemaire. Président russe là, Vladimir Poutine rencontré candidat parti politique qui ami Kremlin hein, après résultat préliminaire élection qui s'est déroulé dans le pays a indiqué les remporter et aux victoires la Valas. L'idimta remercie tout le monde parce que la campagne électorale a été déroulée en façon civilisée et puis en accord avec loi la Russie. Et moi, j'espère que nous pourrons gagner une approche constructive dans le Parlement, avec le Conseil fédération, hein, tout côté représentant région russe à travail. Nous avons besoin de moyens pour nous maintenir dans l'avenir pour atteindre l'objectif de développement moins déjà mentionné. Nikolai Karitonov, qui est membre du Parti communiste, là, Leonid Slutsky, qui est membre du Parti nationaliste libéral démocratique, là, et puis Vladislav Davankov, qui est membre du Nouveau Parti Peuple, là, ces trois partis qui recevront nomination pour représentation dans le Parlement. Ils pourront jouer un rôle en apparence. Rival politique Poutine. Mais en réalité, ils ont tout appuyé majorité politique Kremlin, hein, entre autres opérations militaires la Russie a mené dans l'Ukraine. Chaque candidat te prend la parole pendant la rencontre là et puis féliciter Poutine pour victoire électorale. Li. Poutine n'a pas vraiment fait face avec aucune compétition dans l'élection. Hein. Après, il était interdit deux candidats opposition yo participer dans la course électorale là. Sandra Lemaire, VOA Creole, Washington. Il y a une réaction qui sortit à travers le monde après l'élection président Vladimir Poutine, notamment la Chine, l'Inde, Venezuela envoie Maduro, et bien, ils ont félicité alors que l'Allemagne dit pas de gain élection, pas de gain un choix. On a retourné dans le pays d'Haïti et nous prenons dans Jérémy, dans le département Grandance, avec Mackinson Charles qui parlait de manifestation en faveur ancien élu, sénateur élu Grandance, Guy Philippe. Partisans parti politique font pour reconstruction nationale dans Grandance manifester pacifiquement journée lundi 18 mars 2024 là. Selon eux-mêmes, c'est pour demander application résolution réveil national là qui en faveur y a un conseil trois membres pour diriger pays en qui est là-dedans ancien sénateur de Grandance Guy Philippe. Nous demandons vivre Guy Philippe. Nous demandons un changement total pour le pays. C'est Haïtien pour mettre tête ensemble qui pour changer le pays. Nous n'avons pas fait pour nous. Depuis 1804, nous prenons l'indépendance. Nous en 2024 là. Jusqu'à maintenant, nous sommes misés, nous sommes insécurité. C'est blanc qui cause ça. Et je dis, nous-mêmes, jeunes garçons, nous prenons la rue pour nous dire, nous-mêmes Haïtiens, nous mettons tête ensemble pour changer le pays. Et vous qui vous permettez de changer le pays dans l'équipe Philippe. Alors ça m'a dit aujourd'hui, hein? C'est pas Guy Philippe qui décide d'être lui. C'est le peuple qui décide Guy Philippe. Les natifs, Léo, quel que soit ça, on fait la blague. La blague. Comme l'a mangé, après 5 mars 2024, là, nous ne pouvons pas boire, nous jetons quand même comme le poubelle. Qui veut le président? Pas besoin de l'autre monde. Nous mettons Guy Philippe, et c'est tout le pays à qui demande. C'est Guy Philippe qui veut nous porter la solution au pays. À part l'ingérence, à part les États-Unis, à part la France, à part le Canada, Haïti, mettre Katli, n'a pas ça nous plaît. Ils ont continué pour dire pas d'accord à CARICOM et divers acteurs de la communauté internationale là qui a appuyé pour mettre campé en conseil 7 membres. La bataille, c'est bataille nous lié. C'est bataille des Haïtiens avec Diaspora. Guy Philippe a président quand même dans le figure américain. Américain, c'est blanc. Il n'a pas qu'à décider pour Haïti. Haïti, comme une tête, li. CARICOM, Alchita. Nous demandons et Guy Philippe pour nous. Guy Philippe, c'est lui qui l'idée par nous et lui qui Ah, n'a pas béton, tout pays a bloqué. Tout pays a fermé, tout pays a. Nous pas craser, nous pas briser, parce que ça n'y est déjà pour nous. Qui nous dit, divers secteurs et partis politiques en d'un pays déjà voyé non-représentants et responsables CARICOM pour venir faire partie du conseil. Selon eux-mêmes qui a dû diriger le pays hein, pendant la force songée, Premier ministre Ariel Henry, libre pour aller à l'école, après installation conseil présidentiel, hein, pendant toute couche dans la société, hein, à suivre avec un pile intérêt qui ça qui va être fait dans le jour qui vient là, pour Haïti, capable de prendre le vrai visage. Li. Depuis Jérémy, Mackinson Charles pour VOA Creole.
Et puis toujours dans le cadre de réaction par rapport à ça qui a passé dans le pays d'Haïti, nous prenons dans le pays de la France pour nous voir qui gens communauté haïtienne a réagi par rapport à la situation de crise pays d'Haïti. Journaliste et Franklin Edouard Jadams. Un groupe moun en dans communauté haïtienne dans pays de la France manifesté sous place nation dans ville Paris pour exprimer rage, colère contre décision communauté internationale la apprend concernant pays d'Haïti. Pile parole piment bouc mélangé avec insulte, sans oublier parole obscène tout que n'a évité faire autant de tap divulgué contre la France, contre corps groupe, contre pays États-Unis et contre tout ancien parti politique traditionnel lieu dans le pays d'Haïti. Ça veut dire non. L'objectif manifestation, hein, c'est que jeudi à nous constater que Haïti gagne en ingérence. Ingérence totale et nous avons crise, ça fait longtemps. Crise ça, ce crise interminable. Donc, qui ça nous voulait? Nous voulons que le pays a retrouvé souveraineté, stabilité, c'est but manifestation. Manifestation, mettez sous pied, c'est par rapport à la situation du pays, non? Parce que ça fait des années que notre pays a tourné en enfer. Côté nous ne sommes pas capables de faire nous, si nous diaspora, nous mettons nous dehors. Et je dis à nous avons un super espoir pour le pays. Nous avons appuyé espoir ça pour le pays. Que fait nous tous nous là, nous réunis. Et nous continuons à demander pour gagner un homme capable, valable, qui pas mélangé dans la politique traditionnelle ça, qui est dans le pays, qui détruit un pays. C'est Guy Philippe. Et nous tous derrière Guy Philippe pour que Philippe vienne pour tête pays pour mettre l'ordre. Remonter pour plusieurs raisons. Moi, remonter déjà, CARICOM est mal placé pour décider pour les Haïtiens. Pourquoi CARICOM n'a pas décidé pour les Haïtiens? Vu que CARICOM lui-même, il n'est pas libre. Et les Haïtiens, ce sont des hommes libres. Alors, je vois mal que les CARICOM va se réunir avec cette petite voleur, soi-disant qu'ils vont prendre des décisions pour les Haïtiens. Pour le groupe partisan Guy Philippe Sayo, après manifestation, yo, c'est tonne à tonne installation Guy Philippe dans tête pouvoir pour être capable de retourner dans le pays, pays d'Haïti. Jadams Franklin Edouard, depuis la Ville Lumière, Paris, pour la Voix de l'Amérique, Créole. Et c'est avec le dernier reportage ça, avec Franklin Edouard Jadams, que nous avons mis fin dans le programme. C'est un plaisir, comme d'habitude, pour nous te servir. Aujourd'hui, c'est le premier sorti nous pour ce maintenant. Merci pour l'attention. Merci pour fidélité. Et puis, il met à 5 heures, tapant, nous avons eu une interview très importante que nous avons avec un leader communautaire qui est Luino Robia, qui fait partie de Combit 100%, et il va aborder une question très importante, c'est que c'est question 100 qui est très importante. Donc, pas brancher à 5 heures tapant pour nous capables de gagner, pour nous capables d'interviewer ça. Moi, c'est Jacqueline Belizer, nous sommes contents avec nous. Et une autre fois encore, et nous saluons Nelson, nous saluons Fred Gaimit et